commence à zéro. On est 980 000. Les gars! Ça commence. Oh les gars! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo! Donc aujourd'hui je suis pas toute seule. Et ouais, et ouais, yawai. Pardon, excusez-moi, je me... Bref, aujourd'hui je suis avec une amie et elle s'appelle Juliette. Voilà, genre même pas je peux faire la présentation, je suis obligée de la laisser parler. Bon bref, donc voilà, elle s'appelle Juliette. Et aujourd'hui on va faire une espèce de jeu challenge. Alors je dis ça comme ça mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais je crois que c'est le jeu je n'ai jamais, j'ai déjà, bref. Vous allez voir au fil de la vidéo en fait. Parce que vous savez comment il y a des explications, voilà, bref. C'est comme l'anglais. Merde! Les petites questions sur le téléphone, parce que j'ai cherché sur internet, parce que bon, j'ai pas d'imagination et que voilà, je suis nulle. Bref, du coup, c'est un peu. Bon, il y a des questions un peu hautes. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour. J'ai écrit sur les feuilles, donc il y a un côté où il y a marqué j'ai déjà et l'autre côté où j'ai jamais. Vu que je m'y prends toujours à la dernière minute à faire mes petites papiers feuilles, et bah forcément ça se voit pas, j'ai pas fait de test avant. Bon bref, allez on commence. Je vais commenter ma vidéo, pardon, excusez-moi. Je n'ai jamais vanté d'une chose que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais pour ma part. Je ne me suis jamais vanté d'une chose que je n'ai pas faite. Non, j'ai jamais. Je me vante que quand j'ai fait quelque chose en fait. Bah c'est ça. Je n'ai jamais conduit ivre. Ouais, j'ai même pas le permis. Pareil. Je n'ai jamais essayé de découvrir mon orientation sexuelle. J'ai déjà. Non. J'adore ce jeu. Alors, je me suis déjà posé beaucoup de questions, mais par contre, je ne suis jamais sortie avec une fille. Mais plus tard, peut-être que je pourrais essayer. Ah, mais pas avec moi. Hein. Je dis, je suis pas avec moi. Alors moi, j'ai déjà, vu que vous le saviez, enfin ceux qui me suivent depuis le début, que je suis sortie avec une fille. Mais en fait, c'est pas du tout. Comment dire. Au final, je me suis rendu compte que j'étais hétéro. Je n'ai jamais espionné mes voisins. J'ai déjà. Ouais, j'avoue, moi aussi. Bah, quand tu vois ton voisin dehors ou ta voisine, tu jettes un petit peu, tu vois. Tu regardes ce qui se passe, enfin bref. C'est ça. Rien de. Très choquant. Je ne me suis jamais moquée de quelqu'un. J'ai déjà. Comment ça, t'as déjà moqué quelqu'un, toi? Quand j'étais petite. Ah non, non, pas quand j'étais petite. Genre, en fait, c'est pas gentil, en vrai, mais des fois, y a des gens, ils sont bizarres, ils ont une tête bizarre, du coup, je me moque d'eux. Mais pas méchamment. Je me moque de moi-même, alors bon. C'est ça. Je n'ai jamais regardé Les Anges de la télé-réalité, pardon. Alors, si, j'ai déjà du coup, mais j'aime pas gaver en fait. Je n'ai jamais. Vraiment. Bon, franchement, ça me choque pas parce qu'il y en a gavé qui regardent pas. Et en vrai, moi, j'aime pas du tout Les Anges de la télé-réalité, je préfère les Marseillais. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez Les Anges ou les Marseillais. Je n'ai jamais volé quelque chose d'une valeur supérieure à 10 euros. Je n'ai jamais. Attendez, je crois que j'ai un doute. Parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je volais des jouets à mes cousines. À Heidi, je lui ai volé son bébé Barbie. Et ça coûte pas 10 euros, ça. Quoique, si, du coup, j'ai déjà, puisque le bébé, forcément, il est vendu avec la Barbie. Donc, bon, c'est une valeur depuis 10 euros. Oui. Je n'ai jamais parié sur quelque chose. J'ai déjà, et c'était il y a pas longtemps. J'ai parié sur les membres de ma famille. Qui arrivait en retard au dernier repas de famille. Et normalement, j'avais parié sur ma mère. Et moi, j'ai parié que tu ne partirais jamais en Grèce avec Méline. Méline, sorry, si tu passes par ici, désolé. Mais tu sais qu'en vrai, alors ça. Non, mais genre, en fait, à Méline, j'ai dit, tu. Parce que du coup, de base, je devais partir en Grèce avec elle. Elle m'avait proposé à moi. Et tu la caméra, il faut la regarder là. Je devais partir en Grèce avec elle. Après, vu que j'ai peur de l'avion, j'ai dit non mais attends, il y a combien d'heures d'avion? Bref, elle m'avait dit et tout. Et après, j'avais proposé la Corse. Donc, on s'était mis d'accord. Et après, du coup, Méline devait nous venir avec nous. Bref,
Et au final, mon copain m'avait proposé de partir en vacances avec lui en Corse. Et du coup, bah, j'ai dit à Juliette, désolée, je pourrais pas venir. Et au final, bah, c'est tombé les deux plans sont tombés à l'eau parce que du coup, j'ai trouvé un travail et j'ai pas pu partir en vacances. Et elle, du coup, après, j'ai dit, bon, bah, je donne ma place à Mémine, tu vas avec elle. Donc, elles ont décidé d'aller en Grèce. Sauf qu'elles sont jamais allées parce que après, bon, ben. Méline a déménagé. Voilà, etc. Elle a déménagé. Du coup, ça a été compliqué. Et du coup, moi, je dis, tu paries, tu partiras jamais en Grèce. Et du coup, j'avais raison, mais d'ailleurs j'ai rien gagné, mais bon. Moi non plus j'ai rien gagné quand j'ai parié contre ma mère. C'est sûr que voilà, après elle est partie, elle a déménagé, donc bon. C'était compliqué de faire c'est le voyage. C'est celle qui après devait travailler, c'est ça, je sais plus. Oui, bah moi après je travaillais pendant les vacances d'été, ouais. Je n'ai jamais harcelé le petit ami ou la petite amie d'un ex sur les réseaux sociaux. J'ai déjà. D'ailleurs. J'ai jamais. Bah si, moi aussi. Hein. Je n'ai jamais séché les cours. Oups, j'ai déjà. J'ai déjà, et ma mère était au courant. Je l'appelais à chaque fois que je séchais les cours. Quel genre de fille c'est celle-là? Et elle me disait, ok, pas de soucis. En fait, elle s'en foutait que je sèche les cours parce que je séchais ceux avec qui j'avais des meilleures notes, genre 15 de moyenne, et les profs que j'aimais pas. Du coup, elle me laissait faire. Mais par contre, fallait que je la tienne au courant. Fallait pas que ce soit la vie scolaire qui l'appelle. Bah moi c'est un peu la même histoire qu'elle, du coup quand j'étais au lycée en CAP coiffure, j'avais un remplaçant en prof d'anglais et en fait on faisait rien, mais genre vraiment rien, genre c'était des trucs débiles et moi ça me saoulait, donc j'ai dit à ma mère je vais pas en anglais, c'est le remplaçant, et puis en plus pour mon examen l'anglais était pas obligatoire, donc j'en avais rien à faire et j'aime pas l'anglais, du coup bah j'allais pas à ses cours. Je n'ai jamais triché un examen. Un examen? Examen ou contrôle? Bah, examen, c'est plutôt dans tout ce qui est bac. Ouh, j'ai jamais. J'ai jamais non plus. C'est. Après, si c'est un contrôle, oui. Oui, contrôle, mais là, examen, ouais, bon. Contrôle, oui, j'ai déjà, mais examen, gros examen, non. Je n'ai jamais attrapé la main de la mauvaise personne. J'ai jamais. Moi, j'ai jamais. Pareil. En tout cas, je n'ai jamais menti à ce jeu. Je n'ai jamais. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je vous dis la vérité. Pareil pour ma part. Je n'ai jamais voyagé en avion. J'ai déjà, quand j'étais petite. Pourtant, j'ai peur de l'avion, mais j'ai déjà voyagé. J'ai déjà plein de trop de fois d'ailleurs. Moi, deux fois. Moi, je n'ai pas envie de les compter là, vraiment. T'es pas morte encore? Bah, écoute, je suis là. Ça se passe bien les avions? Bah, ouais. Moi, j'ai trop peur. Mais je suis même allée en Suisse alors qu'on a des turbulences. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais ça se passe super bien. T'imagines, t'es dans l'avion? Attachez vos ceintures, le masque d'oxygène va sortir! Et là, tu te dis, putain, je vais mourir. Ça m'est jamais arrivé, ça, par contre. Oui, bah, ne jamais dire jamais. Pour le moment. Ça ne touche du bois, il y a du bois, d'ailleurs. Je n'ai jamais mis de chewing-gum sous un bureau. J'ai déjà... Non, j'avais pas de chewing-gum, moi, quoi. Moi, tout le temps. Par contre, je les avais tout le temps dans la cour. Je me rappelle quand les professeurs, ils me disaient, Océane, va acheter ton chewing-gum. Du coup, j'allais le jeter, mais je gardais tout. Je le coupais en deux et je gardais un mini-bout dans ma bouche. Et après, je m'en prenais un autre. Je ne me suis jamais mordu la langue. Alors là, si, j'ai déjà, mais alors, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je suis dans la même galère. Pas tous les jours quand même, exagère pas, Ocean. Mais franchement, vas-y. C'est très souvent. Ça fait mal en plus. T'as l'impression que tu regardes ton bout de langue. Je n'ai jamais cessé de me souvenir de mon premier amour. Oula. Alors, j'ai déjà. Hein, mais. Parce que je racontais des histoires. J'ai déjà, mais... Enfin, mon premier amour, mon premier copain. Ouais, ton premier amour, quoi. Bah, mon tout premier copain. Copien. Copien, mes gueules. Mon premier copain, enfin, je l'ai... C'était en sixième, donc bien sûr que je l'ai oublié. Enfin, maintenant, j'ai quand même... Ah non, pas ton premier copain, mais ma race, ton premier amour, celui avec qui t'étais love you, amour. Je croyais que c'était l'homme de ta vie. Bah, c'est pas très possible de l'avoir oublié, vu que ça fait pas longtemps. Ah merde. Donc moi, j'appelle pas ça mon premier amour, mais voilà, enfin vous m'avez comprise, parce que quand j'étais jeune, j'étais bête et je pensais c'était l'amour de ma vie, que voilà, c'était l'homme qui me respectait, alors qu'en fait c'était une sous-merde, il me respectait pas. Et du coup, bon, ça m'arrivait de penser à lui, mais en mal, genre qu'il lui arrive un truc ou que je le croise dans ma rue, je casse la gueule, tu vois. Mais jamais, genre les souvenirs. On a passé des bons souvenirs tous les deux. Alors qu'on n'a jamais passé de bons souvenirs. Bon. Cette vidéo, ça va être un sketch quand je vais la monter. T'sais. Je n'ai jamais refusé un baiser. Donc un bisou. J'ai déjà. Mais pour t'amuser, genre non, je veux pas t'embrasser, tu vois. Ah oui.
Alors moi je vois ça comme ça, mais sinon après il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui veulent m'embrasser hein, à part mon copain. Bah, c'est ça en fait. Je n'ai jamais été infidèle. J'ai déjà. J'ai jamais. Ah merde, j'ai cru que j'ai déjà, j'ai dit oh. Moi j'ai déjà, non, mais next, c'est pour plus chercher la personne en fait. Je n'ai jamais eu de coup d'un soir. Bah alors là, non, j'ai jamais. Hein. Jamais non plus. Oh putain, je veux trop qu'elle dise j'ai déjà. Et que je te raconte. Hein. Je ne suis jamais allée aux toilettes sans me laver les mains. C'est-à-dire, genre, tu fais pipi, tu fais popo, tu te laves pas les mains. Bah ouais. J'ai déjà. Quand j'étais petite et à l'heure aujourd'hui aussi. J'ai déjà. Quand j'étais petite, à l'heure d'aujourd'hui, mais à l'heure d'aujourd'hui, je te rappelle que... Oh shit, on était en train de filmer et là, d'un seul coup, la vidéo, elle s'est coupée. C'est à partir de quel moment? Oui, si la qualité change. En fait, j'ai eu un... je sais pas ce que j'ai eu, mon téléphone a arrêté de filmer d'un coup. Donc j'ai supprimé des photos inutiles et des jeux. Parce que je pense que j'avais presque plus de place. Enfin bon, on recommence du coup. On en était au pipi room. Alors, des fois ça m'arrive d'aller aux toilettes et de pas me laver les mains, mais je fais pas exprès en fait. Quand je fais popo, je me lave les mains. Hein. Mais quand je fais un petit pipi, rigiki. Oui, après ça dépend, ouais. Mais c'est sûr que quand tu fais. L'eau ça coûte cher. Oui. Je n'ai jamais embrassé quelqu'un du même sexe. Bon, bah j'ai déjà du coup. J'ai déjà, mais pour rien. J'ai peur celle-là. Je n'ai jamais nagé nue dans une piscine plage. J'ai jamais. Ma grosse mytho, cet été. On n'était pas nus. Les nichons à l'air, mais on n'était pas nus. Moi, on n'était pas nus. Par contre, toute nue, non. Ok, les seins à l'air, je te l'accorde, mais pas toute nue. Je n'ai jamais été. Bébé. Je n'ai jamais été coincée dans un ascenseur. J'ai jamais. Ça aussi, ça me fait caler peur en vrai. J'ai jamais, mais j'ai failli. Oui, bah, c'est jamais. C'est pas j'ai failli. Je n'ai jamais fait quelque chose que je regrette. Ouh, si, j'ai déjà. Torture avec un bouffon. J'ai déjà. Oh putain, je m'affiche. Je ne me suis jamais mis le doigt dans le nez en public. J'ai déjà. Mais vas-y, quand t'as un truc qui est... Moi, en plus, j'ai mon nez ici, de ce côté, il me brûle. Il a tendance à brûler. Du coup, bah, des fois, je mets mon doigt pour voir si je saigne. Parce que quand j'étais plus jeune, bah, je saignais tout le temps du nez. Donc, bah, forcément, des fois, je mets mon doigt pour voir si ça saigne. Mais je me cure pas le nez, hein. Donc, j'ai déjà. Non, j'ai jamais en public. En public. J'ai jamais en public. T'as le fait en privé, tu sais. Bah, de temps en temps, quand il y a des trucs qui te grattent, tu sais, tu vérifies. Stop. Bon, du coup, voilà, on a posé pas mal de questions. C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, et après, il y en avait, elles étaient un peu trop hot, donc je sais que j'ai un peu tout âge qui me suit, donc j'ai pas trop envie de poser un peu des questions hot. Mais ça peut être cool de faire une sorte de vidéo hot, mais du coup, pour ceux qui ont moins de 18 ans, vous ne pourrez pas voir la vidéo parce que je vais la bloquer. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je sais que sur YouTube, il y a le mode où, justement, pour les enfants, on bloque. Ou il y a une sorte moins 18 ans. De... Ouais, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Hein. J'ai jamais hot, on va dire. J'ai faim. Moi aussi. Ah, j'ai faim. Bref. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce en l'air, de commenter, de partager. De suivre sur les réseaux sociaux. Et de me suivre sur les réseaux sociaux, mais je dis jamais ça en fait. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram. Désolée pour ta tête, Juliette, elle sera coupée. Bref, non, je sais pas pourquoi je suis surexcitée dans cette vidéo, mais en fait quand je suis surexcitée comme ça, c'est parce que vu que je suis pas toute seule et que j'ai une amie, du coup je me lâche un peu plus, on va dire. Au moins je suis à l'aise, hein, merde, avant j'étais pas à l'aise du tout de faire des vidéos avec les copines. Non, mais au moins si vous voulez la voir un peu comme ça, demandez d'autres vidéos avec ses potes. Hein. J'ai pas de potes. Bah t'as Méline, t'as Hello. Ouais, d'ailleurs, je vais bientôt, mais Hello elle veut pas. Ah merde, Hello. Je sais pas. Demander. Ça peut être drôle. Oui, du coup, je vais bientôt chez Méline, donc j'y vais samedi et il y aura des vidéos avec elle. Sois pas jalouse, hein. Tu l'as vu il y a pas longtemps, toi. Non, donc ça veut dire que ta vidéo elle va être postée avant samedi. Bah, genre ce soir peut-être. Tu t'y mets maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. Et de lâcher un petit pouce en l'air, hein, quand même, s'il te plaît. Ah, oui, et d'ailleurs, lâchez d'autres. Enfin, lâchez plein de pouces en l'air si vous voulez la revoir dans une prochaine vidéo. Allez,
Ciao les copines, les copains. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight